Alors le pire, c'est que juste avant que je tire ce pigeon, il y a un faisan qui est passé à 1 mètre de moi. Je vous montrerai tout à l'heure. Je pensais que c'était un merle qui grattait. Je me suis levé. Alors il m'a entendu. Et puis il s'est envolé. Aussitôt après, il y a eu 3 pigeons. Voilà. Donc j'ai tiré une 43 grammes. Sans buffer. Voilà. Bon, elles sont efficaces. Hein. Ça marche très bien ces cartouches. Bon, bah déjà, bonjour à tout le monde. Parce que j'ai commencé la vidéo, bon. Parce que j'ai pas pu faire autrement. J'ai juste eu le temps de faire ma cache. Et puis j'ai eu des pauses aussitôt. Donc je me suis caché en fait au pied de ces arbres là. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre un petit peu de recul pour que vous voyez mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah alors là franchement, je sais pas ce que c'est que ces oiseaux blancs, entièrement blancs, c'est pas des aigrettes, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà donc les arbres. Donc je me suis caché au pied de... au pied de celui-ci, non pardon. De celui-ci, voilà, je vais vous montrer. Alors j'ai eu des pauses tout à fait au-dessus, en haut, tout à fait en haut de l'arbre. Alors c'est pas compliqué, quand j'ai tiré, le pigeon est tombé à 50 cm de moi, donc j'ai pas pu filmer parce que la caméra était sur le trépied, et puis là c'est vraiment délicat. Bon, ensuite j'en ai fait dans cet arbre là, donc là ça doit être filmé. J'en ai raté un aussi. Il était vraiment par derrière avec beaucoup de branches, donc là j'aurais dû mettre de la 54, mais bon, le fusil était chargé. Donc après j'ai eu encore des pauses au-dessus de ma tête, malheureusement, parce que c'était à peu près. Donc j'en ai fait, je vais vous montrer. On va retourner à l'arbre. Là. Voilà. Je me suis caché derrière les troncs là, avec un filet qui faisait tout le tour des arbres. Donc j'étais bien caché quand même. Bon, il y en a 3 qui m'ont vu, qui sont partis, que j'ai pas pu tirer. Enfin bon, ils étaient au-dessus de ma tête à 15 mètres donc. Alors là, ça doit être un peu carnage. Voilà. Donc on voit l'un ici. Là, un deuxième ici. Là, un troisième ici. Un quatrième ici. Il y en a un sous l'arbre là-bas, celui-là que j'ai filmé. Donc ça fait 5. Plus celui qui est tombé à mes pieds, ça fait 6. Voilà, donc bonne matinée, j'en fais 6. Bon là, malheureusement, ils sont posés au-dessus de ma tête. C'est pénible quand ça pose trop près comme ça. Je pensais pas qu'ils allaient poser ici. Je pensais plus qu'ils allaient poser dans l'autre arbre. Bon, je vais les retirer de là. Donc voilà. Et il en reste un sous l'arbre que je vais prendre en rentrant. Donc ils sont magnifiques en plus. Ces deux-là, là, ils sont énormes. Énormes, énormes. C'est des pigeons records, ceux-là. Là, je suis sûr qu'ils font au moins 400 grammes vidés, plumés. Vraiment des mastards. Et les autres sont très beaux aussi. Hein. Puis j'ai fait une mauvie. Alors elle, dis donc, elle était pourtant tout à fait au sommet de l'arbre. Alors là, elle n'a pas eu de chance parce qu'elle s'est pris plein de gerbes. J'ai retrouvé, en cherchant les pigeons, je sais pas si on va le voir comme il faut.
un morceau, donc c'est un pétale de labour. Donc la cartouche que j'ai tirée, c'est la cartouche jaune que je vous ai présentée dans la vidéo sur le rechargement. Donc ça, c'est une bourre Galandi G-Max H13. G-Mag, pardon, G-Mag H13, voilà. Alors je sais pas si on voit, mais je prendrai une photo pour vous montrer le marquage des plombs sur les pétales. Je la garde, je la mets dans ma poche. Bon. Je vais mettre ça dans un sac. Et puis je vais sortir la caméra quand ça sera rendu sous l'autre arbre. Bon, il est pas loin, il est là l'arbre. Mais il faut que je passe de l'autre côté, il y a un barbelé. Donc je vais retourner par là, je vais passer par l'autre côté et on ira chercher notre pigeon qui doit être tombé dans le champ. Comme c'est un champ à vaches, mais il n'y a pas de vaches dedans. Donc à tout à l'heure. Je vais laisser mon sac ici parce que vous voyez l'engin. Il faut le trimballer. Moi je vous le pèse d'ailleurs et je vous montrerai ce que j'emmène pour le pigeon. Donc comme il est lourd, hein, je vais le laisser ici. J'ai la chance qu'il y ait un chemin, donc je vais venir avec la voiture. Mon sac avec les pigeons. Et puis voilà, j'ai repris mon vieux fusil, mon vieux MP155 en 12-76. Voilà, avec chaque Klix. Là c'est un full, enfin qui n'est pas un full en fait. C'est un 0700. Voilà, donc j'ai repris ce fusil là parce que normalement bah, j'ai vendu le Fabarm. C'est pas encore fait, mais c'est en voie, on va dire. Donc je voulais pas le salir. Donc j'ai repris mon vieux Baïkal que j'avais pas réussi à vendre, heureusement, puisque de toute façon, bon, comme je vais sûrement reprendre un Baïkal, il y a des chances que je revende celui-ci, mais je garderai toujours un Baïkal. Quelque part, je garderai toujours un Baïkal. C'est un fusil pas cher qui marche bien. Bon, c'est taillé à la serpe. Hein. Celui-ci en plus il tire pas tout à fait droit, il tire un peu à gauche. Bon, c'est une petite correction à faire. Mais bon, j'ai tué énormément de gibier avec ce fusil. Bon là il aurait besoin d'un chromage, parce que d'un bronzage, parce que là le canon il commence vraiment à... Ah, c'est pas des... Les bronzages ils sont pas de qualité quoi, chez Baïkal c'est... Voilà. Bon, on va le faire rebronzer quoi. Il y a plusieurs solutions, soit un bronzage rapide à froid, soit un bronzage à chaud à la couche. Enfin là, c'est nettement plus compliqué déjà. Moi, bon, je verrai. Bon, je vais planquer ça. Je vais juste prendre le fusil avec moi et puis je vais repasser là, prendre les sacs. Alors tout à l'heure, il y a un faisan qui m'est passé à 1 mètre, peut-être même pas. Puis en fin de compte, et bien de l'autre côté du chemin, voilà, il y a un agrénage avec de l'eau. Voilà. En plus, il y a des choses, je ne sais pas si c'est des rats, des souris qui sont venues, mais... Ah oui, il va y avoir des souris aussi. Parce que quand je suis arrivé, il y avait du grain sur la planche. Donc il y a un distributeur. Marc, c'est bien ça. Ouais, c'est tout bête. C'est juste un seau avec un grillage dans le fond. Puis du blé. Donc c'est bien foutu parce que un faisan il va pouvoir picorer les graines sans qu'elles tombent par terre. Comme ça les souris les mangent pas. Voilà, la CCA qui fait du... qui s'occupe un peu de son gibier. C'est pas le cas dans la mienne. Enfin dans la mienne. Dans ma commune. Ma commune, il y a longtemps qu'il n'y a plus de grains, qu'il n'y a plus rien. Donc je comprends mieux pourquoi le faisan longeait la haie de l'autre côté. Et il a dû dormir dans la haie plus loin, par là-bas. Et puis là, bah, il longeait pour venir sûrement
faire un petit casse-croûte du matin. Bon, me voilà de l'autre côté, dans la prairie. Pas facile d'escalader les grillages. Bon, déjà je vais ramasser les cartouches. Trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf que j'ai ramassé là-bas. Il y a de la pluie. Bon. Il y avait encore des pigeons dans les arbres. Et voilà donc le dernier. Bon, nous voilà dans le chemin. Bon, j'ai coupé un peu brièvement tout à l'heure la caméra parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a regardé. Bon, je suis en toute légalité de toute façon, mais c'est qu'il est tard. Il doit être vers les 1h et là, la chasse, elle ferme à 12h30. Donc, je vais te demander ce que je foutais là. Sans compter qu'en plus, j'avais deux chevreuils à côté de moi que j'avais pas vu. Voilà, donc j'ai ramassé le dernier, je viens récupérer mes affaires. Voilà, elles sont là. Voilà. Bon, et ben, je suis désolé pour cette vidéo, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de tirs. Alors il y en a eu, mais j'ai pas pu les filmer. En plus, j'ai un pigeon qui est resté coincé sur une branche assez haut. Il a fallu que je tire trois cartouches pour couper la branche pour arriver à le faire tomber. Donc ça arrange pas pour les autres, hein, ça leur fait peur forcément. Voilà, bon, eh bien, je vous dis à plus pour une prochaine. Allez, ciao !